manière pratique, comment renverser les principautés? Donc, personnel d'abord, oui. Familial ensuite, voilà. Et puis donc, comment demeurer dans la victoire? Voilà. D'une manière pratique, nous avons déjà dit que les principautés sont rattachées aux idoles. Donc au niveau personnel et familial. Hein. Personnel et familial, il y a les idoles collectives. J'ai montré les danses, les masques, les sacrifices collectifs, tout ça. Donc, quand si un frère veut renverser les principautés personnelles, il fait une seule chose. Il renverse systématiquement les idoles personnelles. Bon, l'idole, c'est quoi? L'idole, c'est toute chose. Tout péché, tout principe qui a pris la place de Dieu dans ton cœur. Ça peut être un principe tel que je n'aime pas les bruits. C'est une idolâtrie. De telle sorte que personne ne doit faire un petit bruit à côté de toi. Un homme doit être flexible. L'homme spirituel est comme le vent. Il souffle où il veut. Et il est indulgent, il est modéré. Il est simple. Il est pacifique, il est simple, il est humble. Donc, s'il y a un péché que tu confesses et puis tu tombes encore dedans, tu confesses, tu tombes, c'est une idole. S'il y a un péché que tu as confessé et que tu n'as pas oublié, tu penses toujours à ce péché. Tes regards sont toujours sur ce qui t'a fait tomber, c'est une idole. S'il y a un péché que tu n'as jamais confessé, jamais abandonné, c'est une idole. S'il y a un péché que tu as confessé, tu as abandonné, tu es retourné commettre, c'est une idole. Si une voiture prend ton cœur, c'est une idole. Si un enfant prend ton cœur, c'est une idole. Donc c'est toute chose qu'on aime plus que Dieu. Toute chose qu'on aime plus que Dieu. Parce que le diable est... Même si j'aime mon enfant. Oui, tu aimes ton enfant plus que Dieu, c'est une idole. Ouais, il faut placer Dieu devant toute chose. Voilà. Dieu doit être le premier. Occuper la première place. Il doit occuper la première place. Donc, quand on renverse les idoles, les principautés tombent. C'est comme si les idoles, les péchés, les choses qui occupent la place de Dieu, sont comme des fauteuils sur lesquels les principautés viennent s'installer. De telle sorte que quand tu abandonnes ces choses-là, elles n'ont plus d'appui dans ta vie. Voilà. Donc, on peut dire que quoi? D'une manière théorique, on renverse les principautés personnelles en renversant les idoles personnelles. Donc, tu prends une feuille, tu écris tous les péchés que tu as commis depuis que tu as cru. C'est-à-dire que tu as déjà cru, on t'a baptisé, et tu vois s'il y a d'autres péchés que tu as commis depuis que tu as reçu ton baptême. Ces péchés que tu as commis après avoir reçu le baptême sont des idoles parce que ils ont réussi à te séparer de Dieu. Avant, dans le monde, tu péchais parce que tu étais un païen. Tu ne connaissais rien. Mais en Christ, tu es illuminé. Mais tu t'en vas commettre un péché que tu avais abandonné. On dit la truie lavée, se voûter dans le bourbier, le chien rentrer manger ce qu'il avait vomi. Donc, si tu résous ça de cette manière, tu as la victoire sur les principautés personnelles. Maintenant, concernant les principautés de la famille, tu fais le même travail. Tu prends une feuille ou bien un cahier, tu recenses les péchés que tu as observés dans ta vie et la vie de tes frères, la vie de la famille. Ce que les gens disent, ils aiment les femmes, ils aiment les hommes, ils sont orgueilleux, ils aiment l'argent, ils sont fous. Ils sont rancuniers. Donc, tout ça, tu dis, Seigneur, nous sommes rancuniers. Tu ne dis pas « ils ». C'est pour cette raison que ceux qui prient pour que les autres meurent là, ils sont déjà disqualifiés. Parce que quand tu viens, tu dis, Seigneur, nous sommes sorciers. Nous tuons nos enfants. Nous bloquons les vies des autres. Nous. Tu écris tous les péchés et tu commences à intercéder, demandant à Dieu de pardonner. Tu prends toujours la feuille ou bien tu es toujours devant ton cahier. Tu écris tout ce que tu as observé comme souffrance, comme calamité, comme infirmité, c'est-à-dire le chômage, le célibat, les morts précoces et tout ça, la pauvreté, tu écris. Tu dis, Seigneur, regarde-nous, notre condition. Nous sommes allés chercher les idoles, nous ne sommes rien devenus. Regarde comment nous souffrons, nous sommes malades. Il y a telle maladie, diabète, tension, cancer, etc. Tu cites. Tu dis à Dieu, aie pitié de nous.
Sauve-nous, mm-hmm. sauve-nous. Moi et mes parents, mm-hmm. moi et mes frères, mm-hmm. moi et moi et moi mm-hmm. et. Et Dieu a promis mm-hmm. la réponse à un tel frère parce qu'il intercède et puis son rang devant Dieu est grand. Il est écrit, mm-hmm. il aura sa part avec les grands parce qu'il a intercédé pour les coupables. Mm-hmm. Ceux qui prient pour les coupables ont une bonne part devant Dieu. Voilà donc. Comment on travaille pour renverser les principautés de la famille. Quand Dieu t'exauce, il envoie une armée détruire l'adversaire. C'est pour cette raison qu'il ne faut même pas perdre le temps d'aller dans les villages, casser mm-hmm. les hôtels des gens. Quand tu fais une c'est bonne intercession, en Dieu envoie mm-hmm. des anges spirituellement mm-hmm. casser tout. Nous avons vu dans nos croisades des visions où les gens étaient dans l'eau. Une main est partie les enlever. Et le lendemain, c'est-à-dire les jours qui suivaient, leur condition a changé. Il y a eu des gens qui ont été guéris. Il y a dans notre église à San Pedro, mmh. les frères étaient en croisade. Mmh. Et une sœur qui était toujours malade a vu un cercueil. Et une main a ouvert le cercueil. Et c'est elle qui était couchée à l'intérieur. Elle est sortie. Quand elle est sortie, elle fut guérie. Guéri jusqu'aujourd'hui. Donc ça, c'est des miracles qu'on a vus parce qu'on a mis en pratique, La parole de Dieu. Il y a des gens qui ont vu qu'ils ont été vomis, des reptiles. C'est-à-dire, tu peux marcher alors que tu es dans le ventre des reptiles. Tu marches, rien ne marche, tu te plains. Tu as des maladies, tu vas à l'hôpital, il n'y a pas de diagnostic clair. Alors que tu es dans le ventre des pitons, par exemple, spirituellement parlant, bien sûr. Tu peux être même assis dans le séjour des morts enchaînés. Dans les prisons spirituelles. Dans les prisons spirituelles. Il y a une sœur qui a été délivrée après que la prison spirituelle ait été brisée, cassée par un éléphant pendant qu'elle était dans le jeûne. Donc, nous avons les témoignages. Peut-être qu'il nous faut même une émission consacrée aux témoignages. Il y en a tellement qui peuvent ouvrir l'esprit. On va quand même donner deux témoignages aux téléspectateurs parce que ce que vous dites est très important. Je suis le frère Ekou Michel. Je vais dire merci à Dieu qui a délivré mon village et ma famille du célibat. Je suis arrivé à la CMCI en 2012. Et avant cette date, je voulais signaler que je viens de Brouattacro. Brouattacro, c'est à l'est de la Côte d'Ivoire. C'est un village où on ne parlait pas du tout de mariage. Ça n'existait pas là-bas. Quand je venais à la CMC, j'avais 21 ans, 22 ans. Mais je n'avais jamais vu quelqu'un de mon village qui était en train de faire dot ou en train de faire cococo. Ça n'existait pas. C'était le désordre. Mon grand-père a fait beaucoup d'enfants, des femmes. Les gens les ont pris, c'est le concubinage. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de mariage, il n'y avait rien. Donc, dans ma culture et dans mon entendement, il n'y avait pas de mariage. Et puis, c'était le désordre. Les femmes trompaient le mari, enfin, trompaient les concubins. Les concubins aussi trompaient leurs concubines. C'était un grand désordre. Et quand je suis arrivé à la CMCI, c'est là que j'ai, pour la première fois, appris que les gens se marient. Et dans mon village, il y a le fleuve Kumo qui est là-bas, les gens adorent. Il y a une montagne là-bas que les gens adorent. Il y a des rivières que les gens adorent. Les gens adorent le cimetière. On adore tout dans mon village. En tout cas, mes parents adoraient tout. Et ça nous a plongé dans un désordre sexuel pas possible, avec la pression des esprits de mari de nuit, des esprits de femme de nuit. Et c'est comme ça que nous étions. Et par la grâce de Dieu, quand je suis venu à la CMCI au renversement des principautés de l'année 2013-2014, j'ai pris le sujet à cœur de prier pour que Dieu nous délivre du célibat. Et j'ai prié. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a exaucés. Le premier miracle que Dieu a accompli dans mon village, c'est qu'il a permis que le chef du village, qui est mon grand-père, se marie légalement. Alléluia. S'est marié à la mairie, tout. C'était une grande fête. Tout le village était mobilisé. Après lui, il y a un tonton qui vit au village depuis que j'étais petit, qui lui aussi s'est marié. Et après ce tonton, moi-même qui suis issu de ce village, je me suis marié le 28 septembre 2019.
Et j'ai un de mes cousins qui va se marier en septembre 2020, c'est-à-dire dans quelques jours. Et le 6 septembre qui arrive, ils vont venir faire officiellement le coco-co de l'une de mes tantes qui est à Abidjan ici, qui elle aussi est dans un projet de mariage. J'ai mon oncle qui enseigne, qui est dans le corps médical à Agboville, qui lui aussi a décidé d'aller payer la dot de sa concubine. Et dans ma famille et dans mon village, maintenant les gens ont un langage de mariage. Tout le monde cherche à se marier, les jeunes veulent se marier, les vieux veulent se marier. Et je veux dire vraiment merci à Dieu, parce que je comprends juste qu'il a exaucé ma prière et il nous a délivrés du célibat. Que toute la gloire, l'honneur et la magnificence lui reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère Casimir Ori, je suis professeur disciple pasteur Traé. Je voudrais dire merci à Dieu qui m'a délivré de la principauté, et je pourrais dire de l'orgueil ou de la colère. Amen. Le dimanche passé, je venais à la prière. Et j'étais avec ma dernière et puis ma servante. Et j'ai voulu faire un tour au bureau. Et donc, je suis parti et j'ai vu un magasin pour acheter, disons, un supermarché. Je voulais acheter donc les jus de l'enfant. Je l'ai fait. Et en allant, j'ai pris ma voiture. Et au moment où je devais prendre la route, j'ai vu qu'il y a une voiture qui venait, un 4x4, immatriculation D. Donc, je l'ai laissé passer. Mais le monsieur, il roulait, je peux dire, comme un escargot. Alors que moi, je voulais venir rapidement ici. Et non seulement il roulait doucement, mais il était au milieu de la chaussée. Un pneu ici, un autre pneu ici, au milieu. On ne pouvait pas le dépasser. Donc, j'ai essayé de regarder un peu. J'ai vu que la route était dégagée de côté. Et j'ai cherché à passer. En klaxonnant. Mais lui, il a commencé à foncer sur moi pour que je puisse faire une sortie de route. Donc je me suis dégagé rapidement et ça m'a mis dans un état de colère pas possible. Donc j'ai freiné devant lui. Et puis après, j'ai continué mon chemin. Lui aussi, il a accéléré, il est arrivé à mon niveau. Il a baissé sa vitre. J'ai baissé aussi la mienne. Et on a commencé à se... Et je partais, donc il m'a dévancé, et j'étais derrière lui. Et j'ai fait un crochet pour m'arrêter devant le bureau. Et quand il m'a vu garer, il est revenu. Donc il est descendu, je suis aussi descendu. Il me dit, mais monsieur, vous roulez très mal. Donc je lui ai dit, c'est vous qui roulez mal. En tout cas, je ne vais pas aller dans les détails, mais on s'est parlé. Voilà. Parce qu'en fait, il est une autorité administrative, c'est-à-dire que c'est les gens de l'administration. Moi aussi, je suis de l'administration aussi. Voilà. Donc, il parle. Donc, vraiment, tout ce qu'il disait, je le contrecarrais. Et à un moment donné, je lui ai dit, bon, il faut partir. Bam, il faut partir. Quitte-moi. Et puis, il a dit, t'as pas me dit de partir. J'ai dit, bon, il faut partir. C'est vous qui, le pays là, ça vous appartient pas seul. Il dit, mais qu'est-ce que ça a à voir avec cette histoire que nous, on est en train de parler, tu parles du pays. Il dit, mais vous roulez comme si le pays vous appartient seul. Bref, on s'est chamaillé. Mais après, frère, ah, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que j'ai réalisé que j'ai dépassé les bornes en tant que serviteur de Dieu. Le Seigneur nous interdit les éclats de voix, les querelles, et puis la colère aussi vociférante. Vraiment, ça m'a fait mal. Et je suis venu à la prière vraiment tout confus. Et j'ai expliqué à ma femme. Mais tout
toute la soirée du dimanche, j'étais pas à l'aise parce que cette situation m'a rendu malheureux. Je dis, en tant que serviteur, je ne peux pas me comporter comme ça. Au contraire, je devais être calme. Mais moi, j'étais plus chaud que lui. Or, lui, il est un musulman parce qu'il y a un point noir sur son visage ici, c'est prière. Et j'avais honte de moi-même, sincèrement. J'avais honte de moi-même. Et j'ai supplié le Seigneur, j'ai plaidé. Même après la prière, quand on partait, j'ai prié et dit, Seigneur, pardon, il faut faire une carte revenir. Comme ça, je vais faire la restitution. Je lui ai présenté mes excuses. Et le lendemain, j'étais toujours malheureux. C'est-à-dire hier. Et on est venu à la prière. Et on est venu un peu en retard parce qu'on avait des amis qui ont perdu leurs parents. Il fallait aller leur rendre visite. Donc, on est venu un peu en retard. Et au moment où on rentrait, je m'asseyais. Le pasteur prêchait sur une sœur, le témoignage d'une sœur qui a été en colère pendant 3 jours et qui après a réalisé que vraiment elle était coloreuse, il fallait qu'elle fasse un jeûne de 3 jours et elle a été délivrée. Donc ma femme m'a regardé. J'ai dit, c'est de moi qu'on parle là. Acclamons pour Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est de moi que le pasteur parle. Vraiment, tout l'enseignement dit là, c'était pour moi seul. Et après, le pasteur continue de prêcher, il dit, bon, si vous voulez avoir la victoire, enlevez les idoles là. Analysez vos cœurs, ce qui n'est pas en adéquation avec le Seigneur. Enlevez, enlevez, enlevez. Il dit, ça c'est de moi qu'il parle. Ensuite, il prend une image. Il prend une chaise, il dit, la chaise c'est le péché. Il dépose, il dit, il s'assoit dessus, il dit, celui qui s'assoit dessus, c'est la principauté. Donc, pour faire renverser la principauté, il faut enlever la chaise, c'est-à-dire, il faut enlever le péché, là. Si tu enlèves le péché, la principauté tombe. Gloire à Dieu. Ça rentre, hein? Et ensuite, il dit, priez pour vos familles, demandez pardon, prenez un bic, écrivez les péchés de vos familles que vous connaissez. Gloire à Dieu. Donc, quand je suis arrivé à la maison, la nuit, j'ai pris mon bic, j'ai commencé à écrire des péchés de ma famille et j'avais sommeil. Le pasteur a dit, si vous avez sommeil, dormez et puis le lendemain, continuez. Donc j'ai dormi. Le matin, je me suis mis à prier. Quand je prie, je prends au moins 30 à 40 minutes de louer. Je loue le Seigneur, j'aime beaucoup louer le Seigneur. Et après ça, je fais ma repentance et puis je fais ma méditation et après maintenant, je prie les sujets. Donc quand j'ai fini ces 3 étapes, j'ai médité sur Néhémie 1. Et Néhémie demandait pardon à Dieu pour le péché du peuple d'Israël. Supplier la grâce. Il dit, ben voilà encore comment on renverse les principautés. Gloire à Dieu. Donc quand j'ai fini de méditer, je devais maintenant prier pour mes sujets. Et puis, tac, le Saint-Esprit m'a conduit à la repentance. J'ai dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je dois maintenant prier pour mes sujets, je me repens. Frère, le Seigneur a ouvert mon intelligence sur ma personne. Le Seigneur m'a fait comprendre que j'étais très vindicatif. Et le fait d'être vindicatif, ça s'asseyait sur mon orgueil. Et l'orgueil, c'est le moi. Le Seigneur a commencé à me faire rappeler ces choses-là. C'est-à-dire que quand tu m'as frustré ou bien tu m'as fait du mal, je vais t'ignorer. Tu me seras totalement indifférent. Je peux venir, on peut causer, mais tu ne vas rien me dire, en fait. Le Seigneur m'a présenté toutes les personnes qui m'ont frustré et que j'ai ignoré totalement, que j'ai mis dans l'indifférence. Et chaque fois, il me rappelait telle personne et je demande pardon, Seigneur. Telle personne, je demande pardon, Seigneur. Telle personne, j'avoue que je me suis repenti pendant plus de 40 minutes. De repentance, et chaque fois le Seigneur me disait telle personne, et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que la personne m'a fait du mal, je l'ignore, je ne m'intéresse plus à elle. Si elle a des problèmes, je peux peut-être participer, mais pas à la hauteur et pas avec le cœur. Et le Seigneur m'a dit, ton gros problème, c'est ça, le moi qui s'exprime par l'indifférence et le fait de te venger. Parce que le fait de mépriser ou bien alors
d'ignorer ou bien alors de rejeter la personne, c'est une manière de te venger. Et effectivement, j'ai une tante, la petite soeur de maman, à qui j'ai donné beaucoup d'argent. Mais quand j'ai découvert qu'elle était sorcière, 5 francs même. Mais quand elle a des problèmes, j'ai dit, tu ne peux pas demander le beurre et l'argent du beurre à la fois. Si tu es sorcier, va demander à Satan, elle va te donner. Et donc, si je dis au revoir, peut-être c'est 5 000, 10 000, tout en plus. Et la femme à mon père également, elle aussi, elle n'a pas... Elle a tout fait pour qu'on m'arrache mon héritage. Donc, ça aussi, c'était là. Bref, il y avait plein de choses comme ça. Des amis, des petits frères, des petites sœurs, plein, plein, plein. Le Seigneur m'a tout montré et je me suis repenti totalement, 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 totalement. Acclamons pour Jésus-Christ. Alléluia. Et quand j'ai fini la repentance, parce que chaque fois que ça finit, j'ai dit, Seigneur, il n'y en a pas encore. Et puis, il me montre, ainsi de suite. Donc, quand j'ai fini, le Seigneur m'a dit, c'est fini. Et je fais une vision instantanément. Je vous ferai une vision comme la télévision qu'on regarde. Je vois un reptile. Je ne sais pas si c'est un serpent. Je ne sais pas si c'est un asticot. Vous voyez, il y a des asticots qui sont costauds, qui quittent dans les rafias là. Peut-être c'est un truc comme ça. Mais qui est sorti de ma poitrine. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus Christ. Alléluia. Et ça rampait doucement, mais c'était vilain. C'était pas noir, ça avait une couleur beige. Et ça rampait doucement. Et ça sortait. Donc je lui disais, va-t'en, 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 sors de moi. Va-t'en, 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 va-t'en. Va-t'en, jusqu'à ce qu'il saute avec sa queue gluante. Il est sorti totalement. Et puis, paf, la vision est passée. La principauté de la colère, de l'orgueil, de l'indifférence, frère, venait de tomber. Acclamons pour Jésus-Christ. Alléluia. Et le Seigneur va me montrer que c'est vraiment tombé. Ma tante en question, elle m'appelle et je décroche avec joie. On parle pendant des minutes et je dis, oh, maman, je t'envoie de l'argent. Et je prends mon téléphone, j'appelle la femme de mon papa. Mais comment ça va? On cause. On n'a jamais causé plus de 10 minutes, mais cette fois, on a causé jusqu'à près de 20 minutes. Et dit, maman, je t'envoie de l'argent. Et un autre frère, vraiment, ça a été extraordinaire. Ça a été extraordinaire. Et pour boucler, pour montrer vraiment que je suis vraiment délivré. Dans le cadre de mes affaires, il y a une femme pour qui je suis en train de faire de l'intermédiation, sinon de la facilitation. Elle ne m'a même pas demandé de le faire. Je fais le travail. Elle m'appelle aujourd'hui et puis elle me parle comme si j'étais son employé. Elle dit, hey, Jésus-Christ. Gloire. Acclamons. Let's clap. Jésus-Christ. Alléluia. Si c'était comme avant. Et elle dit, c'est fini là, tu ne m'appelles plus. Je vais vraiment dire merci à Dieu. Oh Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire. Tu es fidèle. Tu m'as libéré. Honneur, grandeur, élévation te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons. La croisade de cette année, la 12e édition a débuté le 10 août et prend fin le 18 septembre 2020. Oui, c'est ça. À cause du Covid-19, des dispositions ont été prises par l'Église. Nous savons que les prières se passent dans les zones à l'intérieur du pays. Qu'en est-il pour ceux qui sont à l'étranger, qui ont l'habitude de nous suivre? Oui, Dieu est un Dieu de grandes provisions. Qu'est-ce que nous avons constaté? Les prières d'abord, les prières que nous élevons ici, sont des prières inspirées. Et parce que ce que le Seigneur m'avait enseigné, c'est que je prépare l'exhortation, mais je ne prépare pas les prières. Parce que le Saint-Esprit inspire les soupirs. Donc, et le résultat, c'est que les gens qui ont utilisé ces bulletins ont expérimenté de grandes délivrances. Quels bulletins? Les bulletins de prière qui sont les synthèses, c'est-à-dire pendant la prière, on sort chaque jour, on résume les prières qui ont été élevées. Aux éditions passées. Oui, c'est-à-dire que ce que nous faisons souvent, c'est que pendant la croisade, les prières qui sont élevées sont enregistrées et on publie
un bulletin qui est distribué pour ceux qui n'étaient pas là. Alors, ce qu'on a constaté, c'est que depuis 2016 déjà, 2016-2017, les prières qui avaient été élevées, certains frères les ont utilisées et ils ont été délivrés. Les démons sont partis et ce sont ces prières-là que certains utilisent présentement pour mener leur croisade. Donc ils sont dans le jeûne avec nous, mais ils ont les bulletins. Certains vont sur Internet prendre les bulletins qui sont là-bas, les prières de l'édition passée. Même ceux de Côte d'Ivoire font la même chose. Parce que nous ne prions pas ensemble cette année. Nous prions dans les zones. Et chaque ancien organise, comme ils ont déjà été bâtis, ils connaissent comment ça se fait. Et il y a des résultats. Il y a même des grands témoignages qu'on m'a rendu des témoignages hier. Mais le jeûne continue sans problème. Et les supplications. On a rappelé aux frères que le Seigneur veut que tous les frères jeûnent et prient pour leur famille. Et supplient Dieu. Pour que Dieu pardonne, pour que Dieu restaure. Donc, ils sont dans le programme. S'ils suivent ces instructions-là, le Seigneur va faire le reste. Parce qu'avec la crise, on ne peut pas forcer les choses. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous ne voulons pas souffrir ou alors nous laisser vaincre par le syndrome du vieux vin. C'est-à-dire, quand quelqu'un bu le vieux vin, il dit le nouveau est. Et si tu lui donnes le nouveau, il dit le vieux est bon. Mm-hmm. Comme nous sommes habitués aux croisades, avec des prières intenses dans la salle. Il ne faut pas que les frères se disent que cette année est perdue. Non. Dieu veut que cette année soit utilisée et que l'accent soit mis sur les prières de supplication pour nos familles. Surtout les prières d'intercession. Surtout les prières d'intercession. Mm-hmm. C'est-à-dire que prier pour les autres. Mm-hmm. Parce que les frères aiment le combat pour résoudre leurs problèmes. Mm-hmm. Et c'est ce qui est réclamé. Mm-hmm. Mais Dieu insiste en disant, priez pour vos familles. Or, mm-hmm. il nous a révélé qu'il y a des malédictions qui ne peuvent quitter que quand on prie pour la famille. Donc, j'encourage ceux de l'extérieur de faire l'effort pour demeurer dans le jeûne et pour prier pour leur famille. Je sais que le Seigneur va faire au-delà de ce que chacun de nous s'imagine. Merci, pasteur Meunier. Je le disais tantôt, vous êtes un écrivain. Vous avez écrit plusieurs œuvres, parmi lesquelles 8 sur le marché. Le 9e est en voie de production. Le premier a été le brisement de liens de famille et autres liens. Mmh. Le deuxième, le renversement des principautés personnelles et familiales. Nous y reviendrons. Le troisième livre, la prière de combat pratique pour le renversement des principautés. Bâtir un jeune disciple. Guide pratique de suivi des jeunes convertis. Sortez du milieu d'eux, enlevez dans la gloire. Et le livre qui est en voie de production, c'est La délivrance de la dépression. Nous avons en effet des ouvrages ici que vous avez écrits sur le renversement des principautés personnelles et familiales. Mmh. Mmh. Ce livre est un condensé de ce que nous avons dit sur ce plateau. Une sorte de manuel de doctrine. Ça dit que le développement même de la doctrine du renversement des principautés. Oui. Voilà. Et le deuxième livre, c'est les prières de combat pratique. Oui. C'est un condensé de toutes les croisades que nous avions eues les 3 années précédentes. Pour celui qui veut prier efficacement, peut l'acheter. Et le livre sur le brisement des liens malsains de famille et autres liens qui résout le problème de la sorcellerie. Tous ces ouvrages sont dans nos locaux, à la librairie du Temple. Vous pouvez appeler au numéro qui s'affiche sur l'écran pour vous en procurer. Alors, pasteur Meunier, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu avec brio à nos questions. Merci. Que le Seigneur vous bénisse et bonne suite de programme sur la RTVC.